Hey! Aujourd'hui, on joue à Risk Faction. Et là, on a fini la campagne. Et là, on va essayer un jeu personnalisé. Et on va espérer que ça se passe bien. Mm-hmm. Nouvelle partie. Faction. Parce qu'on veut une mission intéressante. On veut faire le centre de commandement. On veut une conquête du monde pour faire une longue. On veut tuer tout le monde. Ouais, les langues, c'est cool. Mm-hmm. On joue pour les humains. Ouais. Fait qu'on est les avant-derniers. On a une carte d'avance sur les gens. Et on a vu. On aime mieux être les derniers, t'inquiète pas. Cette fois-ci, par contre, j'ai l'impression qu'on va être plus dans l'Ouest. Waouh, le rouge commence avec un continent. Ok. Wow, ça, c'est pas fair. Plutôt un continent de 5 territoires, là. Ouais. Qui se défend quand même bien. Puis il y a même l'autre territoire autour. Waouh, c'est vraiment pas juste. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on veut? On a contrôlé les 4 casernes, ça donne la carte bonus, mais on est vraiment loin de ça. Mm-hmm. On a deux casernes au moins. Terre d'aviation, c'est des 4 crits. 3 continents entiers pour le dé de défense. Ça va être du travail. Quand même, on a. Ouais, ça va 2 capitales ennemies, ça c'est facile. 2 capitales ennemies pour le dé d'attaque, ça peut être vraiment agréable. Objectif. Oh, prenez le contrôle de 8 territoires en un tour. Ça va être top. On échange un gros mouton. Ouais. On est avant-dernier. Wow, pour les capitales, ça va être. Ouais, va on risque de se faire lessiver dès le départ. On est sur le temple de vol. On est sur le temple de Vaughn avec juste 2 petites armées. Boum, il y a un gros 5. Hey, le rouge est tout à droite, c'est incroyable. Il est loin du temple, mais il y a une belle position solide. Hein? Nous, notre capitale, on la met sur le 4. Oui, oui, tout le monde. Ou le 3. Il y a moins d'air. Il y a moins d'importance, c'est vrai, au 3. Non, j'avoue, c'est pas une mauvaise idée. On risque de commencer en mettant toutes nos armées là pour essayer de taper le 2 qui est à côté. Ouais. Bon, les capitales ennemies. On veut 2 capitales ennemies. Ils sont présentement. Ah, fuck, je vais dire là, mais. Ouais, mais il va peut-être déplacer tout le monde en fait. C'est peut-être une facile ça. Ah non, il en reste. Il fait des mouvements de fin. On a une capitale à côté du 2 là. Il y a une capitale, il y en a 2 là-dessus. Wow, il y a déjà les cryptes. C'est un gredin. Oui, ils font toujours ça. Et ça vient nous en enlever une facile. Ok. Okay. De la caserne. Okay, le plus logique, c'est de prendre notre continent. Probablement. À partir de la capitale. Le rouge. Ah, oh, c'est fou. Ils viennent dans la caserne. Là. On n'a même plus cette option-là. Le 6. On met ça à la capitale. Puis on attaque le 2. On va attendre de voir ce que les autres font. Je pense qu'on n'est pas en position de faire un move spectaculaire cette fois-ci. Ils sont en train de nous enlever nos positions. Oh, oh. Il enlève le contrôle des cryptes. Pour ça, hein? C'est de faillir. Pas beaucoup d'autres options. Il a solidifié sa position sur cette île-là, définitivement. Il n'a pas perdu d'armée, puis il en a rajouté. Il enlève le bleu de là. Ouais. Puis même. Ouais, je vois ce que tu veux dire. On pourrait complètement enlever le bleu. Juste point. On n'a pas tant d'armée, non, ça, malheureusement. 4. Mais c'est à partir de la capitale, c'est pas. J'essaie-tu? J'essaie. Je pense pas qu'il soit urgent pour nous de faire ça. Honnêtement, là. On va être chicken un peu ce fois-là, je pense. Okay. 5-4. Prochain tour, on va avoir plus d'armées à placer. Ouais, mieux vous garder les moutons en défense. On l'a vu tantôt se dilapider. Ouais, mon tour s'arrête direct là. Et voilà. 6 armes. Ah, il échange en partant, lui, voir. Qu'est-ce qu'il va faire comme. Il nous lave de là. Non. Ouais, c'est pas tant pour nous laver, c'est pour avoir des casernes avec comme toi. Ça m'étonne à quel point il échange rapidement puis il monte des moutons. Et... On a eu une étoile, nous, ou deux? On a eu une étoile. Évidemment. On va rechercher ça. Ah, c'est ça, ils sont vraiment sur les casernes. On va se concentrer sur le temple de Vaughn, je pense, cette fois-ci. En fait, on fait la ceinture autour du temple de Vaughn, on resserre sur le temple de Vaughn, puis après, c'est plus personne de le faire. C'est la meilleure stratégie, je pense. C'est une stratégie solide. Ça nous retire un petit peu, par contre, de la course à certaines autres missions, mais. Ah!
C'est bon. C'est un territoire. C'est dommage, mais. On va y aller, on va le gruger autour. On va le gruger autour, solidifier chaque continent à chaque fois. C'est ça, l'avantage de gruger autour, c'est ça, c'est que si quelqu'un se prend le temps de bonne, t'as toujours la possibilité de lui enlever par la suite. Faut pas oublier qu'on va prendre deux capitales. Mm-hmm. Il y en a même sur le continent aussi. Il y a 7 points sur le continent déjà. Mm-hmm. On peut lui enlever en fait. Je veux que le jaune soit enlevé de là. Merde. Parce que juste jaune, une fois qu'on va prendre la capitale jaune, il va vouloir revenir vert. Mais si, il n'y a plus vraiment de territoire dans le coin. Mais c'est Eric qui nous empêche en fait d'aller chercher ce continent-là. C'est de loin le continent le moins bien défendu de tous les temps présentement. Ouais, c'est ça. Il y a 3 positions à défendre. En fait, techniquement, il y en a 2 parce qu'on continue, on contrôle le continent d'à côté. Non. Il y a un. Ah ouais, ouais, deux. Juste les deux. Là, fait que tu mets ça sur. Ah, j'ai mis ça sur le 4. Parce que le 4, en tant que tel, ça va... c'est ça qui va pousser vers ta frontière. Le 5 est juste bien défendu, on a ça comme ça. Mais t'as la chance, ça, t'as avec nous. Mm-hmm. Yes. May the odds be forever in your favor. 2 en bas. 2-1-8, puis tu vas te rester entre les deux. Si ça se passe bien, évidemment. Il perd du 2. Ouais, t'es chanceux un peu plus. Il y a une carte à côté. Je sais. Ok. Faudrait quand même attaquer l'autre. Ouais. Mais pas tant pour se faire des trucs de plus, juste pour enlever le noir de là. C'est parce que le noir a travaillé fort pour avoir ce point-là. Si on y enlève pas, il va retravailler pour en revenir. Attaque. Tu peux voir ça. Ah, j'ai pas le voir. Ah, il a vu ce qu'il y avait à voir. Bon. Il a vu le massacre. Oh, la porte de l'enfer. Ah, manœuvre supplémentaire. On l'aime des fois, la manœuvre supplémentaire. C'est au début. Ouais. Donc, c'est pas la manœuvre initiale. Supplémentaire, c'est supplémentaire. À la fin, on a 2. Exact. Fait que terminer l'attaque. Ouais. Mais c'est ça. Vraiment, juste moi, j'en ferai une manœuvre pour avoir 2-2. 2-2. Tu vois 2-2 ou même. Tasser le 3 à côté. Parce qu'en tant que tel, le rouge du temple de Vaughn et. 2-2, c'est quand même bien. Prends la. Ah ouais. Ça va nous être utile à un moment donné. Non, mais une fin où est-ce qu'on a 2 motons qui traînent. Non, je comprends. C'est sûr que ça peut être utile. Ok, le bleu. Ah! On travaille sur les grilles. Oh, c'est fait mal. Moi aussi, j'avais envie de dire pauvre gars, mais je l'ai tiré. Maudit Yeti. Son excellence guerre. Miaou! Ah. Je peux l'utiliser, moi. Oh, c'est vrai. Je peux le sauver. Avec mon limit. Trois cartes déjà. The fuck, ils arrêtent pas d'en échanger. Comment ils font? Peut-être que c'est sa troisième carte en fait, puis il a jamais échangé. Ok. Ah, shit. Soit massacré. Pas assez. Super. Non, c'est sûr que nous, on aurait pas dû enlever. Oui, il arrête là. Il faut qu'on arrête. Avec notre 5, on peut prendre son 3. Wow! Un gros move à côté de chez lui. Je pense qu'il y a 2 petits verres. Qu'est-ce que t'as pas là, Laurent? En fait, prends le temps de prendre. Il va prendre la carte. Et quoi d'autre? Descends. Ouais, venez, bouge-le. Wow, yes. Il a pas réussi. Ouais, il a pas fait grand-chose avec son bâton. À part ce. Il est rendu solide dans ce coin-là. Il y a 9 rouges. Le 9 va avoir de la javac. Mais c'est bien, en fait. Il a mis un gros bâton à côté d'un gros bâton, ça va fondre ensemble. Comme du suif, au soleil. On a 8. Enlever le temple de Vaughn, c'est vraiment une bonne idée, je pense. Avec le 2, ça fait juste repousser la frontière, c'est très bon en fait. Tu laisses qu'on va avoir gagné dessus. Il faut faire. On a perdu une pour en tuer 3, c'est bien. Est-ce qu'on laisse ça? Je pense pas qu'on le prenne. Non. Il y a 7 armées dessus, on en a 8, on n'a pas de bid d'attaque. Moi, ce que je ferais par contre, c'est peut-être le 8, j'en aurais peut-être une pour le mettre sur notre 2, peut-être l'autre frontière.
c'est le 5, on attaque le 2. Non, parce qu'après ça, le 4 rouge est en position d'aller prendre une continent avec un capital. Ça aussi, on faisait un déplacement. On n'a pas beaucoup d'étoiles, on n'a pas beaucoup de ressources. Ça, t'enverrais ça aussi. Pas tout, juste une ou deux, max. Juste parce que le 4 jaune peut effectivement nous rentrer dedans n'importe quand. Non, c'est ça. Je suis content qu'on ait fait ça. Ouais, juste ça, c'est pas si pire. 3, ça commence à devenir plus courageux. Non, mais c'est bien. 2, ça serait le fun. 2. Waouh, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu. Je sais plus c'est quoi 2. Ah, tiens donc. Bye bye 2. Hein? Pas de mon premier. Je veux qu'elle cherche le rouge avant qu'il se fasse mal. Oh, on n'a pas résisté. Pas du tout, hein. Ils se sont juste couchés. On s'est fait. On a complètement expatrié de cette zone-là. Il n'y avait pas une mission d'avoir 3 continents? Oui. Fait que si on prend un temple de bonne, on... C'est un beau toi. Ok, t'es loin de chez nous, parfait. Il va te faire un continent, possiblement. Peut-être pas. Pas sûr. Ah, il essaye. Oh là là. On aime ça. Genre de statu quo. Ouais. Les gens, j'aime ça que ce soit pas fort comme ça, il n'y a pas envie d'aller en mettre pour avoir d'autres projets. Le rouge va tout mettre sur le temple de bonne. Ça se peut. 5. Ah. Non. Ça, c'est 3. Non, même pas. Il va partir à caserne. Excusez. Il arrête là. Waouh. Je l'avais pensé qu'il aurait peut-être voulu traverser et aller chercher l'autre caserne du genre, même pas. Parce que techniquement, il est proche d'avoir les missiles, lui. C'est pas un mot tombé. Hein? Ouais. Lui, il rentre dedans. C'est génial. J'adore ça. Amusez-vous, nous, on est pas dans ce coin-là. On va continuer à gruger par là. Frappez-vous, mignon. Frappez-vous. Le bleu, là, on peut le kicker out de ce continent-là. On va faire ça très bien. C'est soit ça ou soit aller prendre le temps. Le temps de vraiment me fatigue. Ouais, je sais pas si on a ce qu'il faut présentement. Par contre. Mais avec 7 plus... C'est juste 4. Non, ça vaut pas la peine d'échanger en tout cas. Non. Part du 5 puis rechercher le rouge. 7, non? Le temple complet? Ouais. C'est risqué mais possible. C'est possible. Mais on le défendra pas, c'est ça le problème. J'ai peur qu'on se fasse comme. Ah, j'allais dire en haut, prendre le petit continent à partir de notre 2, mais c'est leur 4. Non, c'est pas leur 4, c'est en notre 2. Mais... Ouais, va prendre le continent en haut. On peut-tu? Là, tu veux, je vais juste aller vérifier l'émission. C'est possible. Aider. 3 continents. C'est ça, le dé de défense. Ça, c'est le dé de défense. On peut avoir un continent à ce tour. C'est ça, sûrement. Le petit en haut, là. 2 capitales ennemies, c'est le dé d'attaque. Ça, ça serait le tour d'attaque. Là. On a le contrôle de 8 territoires en même temps. Ok. C'est plate parce que c'est le dé de prix, je pense. Non, c'est 4 casernes, il y a personne qui l'a eu. Ok. À partir du 2, on pourrait ramasser le troisième continent là. Ouais. Faudra juste en rapatrier pour attaquer le 3. Quel 3? Ah, ça fait partie de ce continent-là. Le petit 3 en dessous, ou 3 gris. Ça, non? Ouais. Tu vois, regarde. Ouais, sinon, c'est le temple de Vannes. Le temple de Vannes, c'est juste 3 terres. Ben, c'est pas déjà tout ça? Non. On les voit pas très bien. C'est la Romanie. Ouais. Romérénie, ouais, j'imagine que c'est la Romérénie. Ah, ouais, parce que le temple de Vannes, c'est 3. 3 terrains, c'est tout. Ça, il y a trop d'armées en tout cas sur celui-là, ça c'est sûr. Temple de Vannes commence à me tenter parce que les 9 armées pour ce continent-là, ça ne sert pas grand-chose. Hein. Si on a plus juste 7, on a le Temple de Vannes. Ah ouais, ok. Plus facile à défendre. Tendu là. Bon. Ce qui est important ce tour-ci, c'est d'avoir le dernier continent. Surtout. Wow. Si, même si on ne le garde pas, on veut le défendre, le reste va se faire mieux dans ce 4. Yes. Non. Yes, ok. Ça va bien. 2 pour tuer 4, on aime ça. 12 contre 3, c'est... Ça devrait être possible. Ça peut être. Non. Good, on l'a. Ok. On a le dé de défense. Non, quand même, hein. Ça dépend lequel je veux le défendre le plus. Après, on va faire un déplacement. Attends un petit peu. Veux-tu attaquer le 5? Non, c'est ça. Si je prends mon 5 pour attaquer le 2, j'ai plus besoin de défendre cette frontière-là. Ok.
On fait tout ça, ouais? Ouais, puis de toute façon, on va déplacer du 9. Le 9 vers le 1, c'est ça. Ouais, je pense que c'est. Cours pour l'attaque. Ok, c'est bon. Mais de l'attaque, pas de toutes les attaques. Sinon, je peux plus rien défendre, puis j'ai la rien. Cours pour le tour de bord! Voilà! Ah, ouais, il y a le rouge par exemple qui va attaquer. Fuck. Regarde, 5. Un bon move. On a deux déplacements. Excellent. On a deux déplacements, t'as bien raison. Ah, ben collé. Fin de l'attaque. Fait que t'en envoies. Ah, cool. Ben, va falloir splitter ça, 3-3. Ouais. Non, on sait pas ce que l'autre peut faire. Terminé. Ouais, que t'attaques. Où tu l'élimines le 2. À partir du 9, tu sois. Le rouge serait fier de partir de ce point. C'est quand même tentant, mais j'ai juste peur qu'on fonde. Ouais. On était chanceux, c'est cette attaque-là aussi. Là. Est-ce qu'on continue à jouer avec le feu ou pas? Là? On a des dés de défense. On va avoir les dés de défense. C'est ça, on est avantagé à la défense. Moi, je dirais vraiment qu'on arrête l'attaque. Ok, fait que on se fait la manœuvre. On va en un peu. Fait que toi, t'en vas là. Une personne ou deux? De plus. Comme ça. Ok. Puis ça. C'est génial ça. Hey. Ok. Et oui. Des défenses. Good. Et là, faut croiser les doigts que notre défense nous serve bien. Ouais. Le bleu, il est loin. Il change tant que tu veux. On l'a kické out le bleu, c'est pour ça. Attaque notre bleu. Je sais pas. Pas de problème. Vas-y, mon grand. Ah non, il arrête ça là. Tu vois. Il y a autre chose de toi. Il s'est fait bloquer par la rouge. Du 2. Ah, par la droite. Oh, ouais. Mais je vais peut-être plus me concentrer à gauche. On va venir nettoyer toute cette partie-là. Bon. Toi, tu aurais le 2 noir en haut. Non, même pas. Pas chier. Il est pas les casernes. Il va mieux les casernes. Il pense juste aux missions. Le problème avec l'intelligence artificielle de ce jeu-là est basé sur les missions. Quand tu joues en contrôle, c'est ça. Quand tu faisais en quelqu'un du monde, ils sont idiots. Ils pensent toujours de la même façon, puis ça les sert très très mal. Va pas là. 6 contre 3, il serait pas avantagé de toute façon dans la défense. Faut chercher l'occasion. Amusez-vous dans yes. Votre compte. Ah, c'est ça. J'ai dit, faut chercher l'occasion. Oh. Oh. Peut-être pas toi aussi. Oh. Capital. Y a-tu deux capitales? Ça, faut faire attention, hein, contre les deux capitales ennemies. Ouais, mais ça, on pourrait aligner le prochain tour là-dessus. On va prendre celle-là, du genre. 4 armées, il n'est pas en mesure de nous enlever. Yes, on a le temple de Von! Le plus gros maton. C'est peut-être lui. 5. Il y a des 5, en tout cas. On va peut-être faire un move. Il y a deux. Non, ok. Il y a deux 5. Ouais. Un 5 sur une capitale, puis un 5. Ah, en fait, un des deux 5, peu importe lequel, sont bons. Ou sinon, il y a des 4 dans notre. Mais si on veut prendre la mission de capitale, tu prends celle-là, puis tu fais 2-2. Ouais. Tu viens de scier les jambes au rouge encore plus. On prend les deux capitales d'un coup, puis on a le B. Puis ça. Ouais, c'est ça. Ok, cool. Ouais. L'autre au-dessus. Le 5 au-dessus. Lui? Ouais, il est plus proche. Ouais, mais lui, c'est une capitale. Non. Eh oui! Oh boy, il y a une ligne rouge, je vois pas. Il y a 5 armées sur ce territoire-là depuis le début. Il y avait 5 armées, c'est pour ça qu'il a mis son capitale. Il y en a toujours eu à peu près autant. On la prend avec la conversion. On va mettre une coup d'unité dessus et on va les prendre aux deux à l'autre. C'est notre armée de base pour aller chercher l'autre. Donne-moi ta capitale rouge! Puis on va essayer. On a une coupe là et on va essayer de défendre un peu plus ce qu'on a de l'autre côté. Moi, à partir du 4, je prendrai la capitale. On n'aura pas tant d'armées ça, les amis, je pense. On a 10 armées à placer le total. Je me sentirais pas bien à moins d'en mettre au moins. Oh, ah ouais, pas de dé d'attaque. On laisse jouer. Pas de dé d'attaque. Mais. Commence à enlever le rouge de main, les gars, s'il te plaît. Lui ici, tout ça? On peut faire avertir du 3, en fait, ça repose notre frontière directement. Un truc là. Peut-être sur le. Alors, peut-être le 3 est mal défendu. Ça me dérange vraiment pas. Lui, il se rend au 2 ou t'es où? Le 7, ouais. Tu vois le petit pointillé par là. Ok. Parce que de loin. Non, c'est pas possible. On va commencer par la quête des capitales. Ouais. Je suis curieux de voir. Parce que dans le pire des cas,
si on veut vraiment, on fait le fun d'être 5 pour piloter, mais je pense pas qu'il y ait d'urgence. Yes! Facile. Fafa. Reste-tu dans l'arrière? Non. On s'en fout de ça. On veut surtout la mission. On a deux déplacements, on gère pas ça. C'est vrai, on a deux déplacements. Parce que oh. Lui, yes. On laissera rien au milieu puis on va mettre ses capitales. Et parce voilà. Que les capitales sont au niveau quand même des unités plus. Yes! Des attaques. Des attaques. Et anyway, oui, on a 5 là. Et puis on enlèverait une pour la mettre sur l'autre. C'est ça, ouais. Une 2. Ok. Ensuite. Le 7. Le 7. Sur le 2. On élimine le rouge de cette portion du monde. Et voilà. Ça, ça vient d'afficher ma frontière. Exact. Et j'ai le goût de faire. On un attaque assez. À partir du 4, juste un lancer de dé contre le 4. Pour voir que c'est. Un lancer. On a, je pense pas qu'on est ce dans le store aussi. Mais tu on est tout. Tu lances une fois le dé, puis après ça une fois le dé avec toi. On peut se faire une wiki puis nous en reste plus, hein. Mais... À date on était prudents, ça nous a bien servi. Il n'y a tellement pas d'urgence. Okay, okay. Ça, ok, le déplacement. Non. Qu'on va avoir une 3-3. Le 2 capitales à défendre, 3-3. Le capital du rouge. Quoique, je pense que c'est mieux d'en laisser une de plus sur l'autre côté. Je vais expliquer. Non. Expliquer pourquoi. C'est le capital du bleu, il y a un gros sang à côté. Le rouge, il y a deux territoires noirs à traverser avant de se rendre chez lui. Oui, tu peux voir ça aussi comme quoi celle-là, c'est sûr qu'on va la perdre parce qu'il va mettre son bâton sur le 5. Fait que ça sert à rien. Fait que t'es aussi bien de le mettre. Sur tout en bas pour que ça reste, on laisse un en haut, il va la prendre, il va mettre un mouton dessus, puis on va le capturer avec le temple de l'homme. On peut essayer ça. Ouais, moi je pense que c'est ça. On va se garder un point fort. Fait que. Je suis sûr qu'il va tout. On va l'essayer. Mais j'avoue que si on y en laisse pas, il n'y aura pas besoin d'en mettre plus. Oui, mais ça, manœuvre si tu veux changer d'idée, mais. Ouais. Non, c'est un move, on l'essaye. On l'essaye. Je pense pas qu'on ait d'autres choses intelligentes à faire. Le 5 en bas du temple de Van pourrait en envoyer un sur le 6. Ou sur le 5. Ou sur le 4. Aussi. Parce qu'il est juste contre un 2. Ouais, ouais, mais il peut en mettre. Plus. Non, il en a pas. J'en aurais juste un pour commencer à positionner notre future attaque. Genre, le 4-4 là. En... Lui ici, tu peux voir. Parce que tantôt, on va monter de niveau. D'accord. Rendu là, là. Bon. On a 19 territoires, les amis. Ah. Ah non, nos armées! Nos armées! On a coupé pas mal leurs options avec le temps. Ouais. Qu'est-ce que tu fais avec ça? On a le dé défense. On a le dé défense. On a le dé défense. Ouais, il a pas aimé ça. On en a perdu une. C'est ça. Nice. Ah, il va mettre ça sur le 1 pour essayer de revenir sur sa capitale. Mais non, on va où? Ouais, c'est ça, il va reprendre sa capitale lui avec. Il va essayer de. Wow! On y a rien ça. Perdu! Hey, on est éliminé de cette portion-là ouais. Encore. C'est pas grave, on a quand même la correction. On peut revenir ouais. En force. On a été marre. On a été vraiment marre dans l'autre. Ouais. Complètement. On a des attaques et des défenses et le plus du territoire. Nos chances sont quand même pas pires. Ah, tiens donc. Ok. Ok. Excellent. C'est pas mal. Pour nous, ça change pas quand. Puis nous, c'est sûr, mettre toutes nos armées sur notre 4 puis monter. Mm-hmm. Probablement, c'est la meilleure idée qu'on a. Et après, on déplacera le 6. Ouais, c'est ça, les 6, on va pouvoir faire mal. Ok. Ok, là, faut faire attention, faut passer sur les bons boutons. Faire une fois sur B. Ouais, faut que tu commences par le fermer. Puis ça... après, ça va être top. Ça va être top pour choisir. Le plus gros mouton, c'est quoi? Le 5 à la caserne ou le 5 à côté? Là? Est-ce que quelque chose nous aiderait plus, genre, prendre le 4? Si on prend la caserne, ils vont nous attaquer. Si on prend le 4, mettons. Là, là-bas? Coin, ouais. C'est un 4 de moins à tuer. On a deux manœuvres, notre 4 on peut le rapatrier après. Mm-hmm. C'est pas mauvais pour notre conquête. Ou le 4 jaune. On a présentement zéro intérêt dans cette zone-là. Ouais. Ça nous faciliterait l'attaque dans ce cas-là. Il y a le 4. Non, le 4 gris. Le 4 gris à l'autre bout.
On peut rapatrier nos troupes par la suite, on a 2 manœuvres. Mm-hmm. Ça va faire un 4-2 moins tué pour nous. Ouais. Ça fait qu'on a 3 unités à déplacer en backup suite en dessous pour la fin de l'année. Mm-hmm. En fait, tu peux même. On n'a pas la manœuvre initiale. Non, initiale. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est utiliser ce 4-là pour essayer de prendre le 3. Mm-hmm. Si ça marche pas, en fait, on met toutes nos armées sur le 6. Tu essayes de tirer de ton 4 pour voir si t'es capable. Si ça marche pas, ben, avec ton 6, tu fais quand même le. Non, ça serait pas de l'avoir aussi. Non, on prend trop de missions, on n'a pas de. Ben, trop de missions. Je dis ça de même. Bon. Sur le 6. Ouais. Sur le 4. Non, sur le 6. Je peux pas entendre ce que j'ai dit. Ok. Prends le 4 pour essayer, c'est ça. Prends-le. C'est comme ça qu'on dit tuer. Ah. Ben, écoute. On va prendre 3. Mais tu commences à quoi? Ouais. L'ennemi qu'on. Merde, là. On a le dé d'attaque et de défense. Fuck you, là. Et on attaque le 3, puis le jaune, ça va être plein dur, il va prendre sa capitale. Il va commencer à être loin. Excellent. Je vais montrer en haut aussi. Oui, bah oui, oui, mon dieu. Si on est capable d'éliminer, puis de garder ça, on va être en méga bonne position après ça. Là. Ah! Ah, ben c'est ça. On peut se faire un mur à quelque part en plus. Ouais. Ou faire chier quelqu'un. Mais vraiment, ça va te faire. Non, on peut pas attaquer là. À partir de notre 5, on peut. Ah, ouais. On a le dé d'attaque, c'est pas impossible. Dans le pire des cas, on fait un déplacement. Go. Yes! Et voilà. Yes! Oh! Ah, ben tiens. Le 5 vert à 2 jaunes, je pense que ça nous enlève une frontière de faire ça. Ouais. Hein? Ah, ouais, c'est. De lui. De lui. Mm-hmm. À, aux deux à côté, on. C'est ça. Ça nous faciliterait beaucoup la défense. On pourrait laisser juste un sur le chiton devant. Ok. Fait qu'il faut déplacer un mouton là. Tu déplaces? Ouais. On a 2 manœuvres, faut pas oublier, on a 2 manœuvres. Ouais, ben il y a le 9 qui est coincé en haut, puis le 4 là-bas qu'il faut déplacer. Exact. Puis on en gèle un, faut pas oublier ça aussi. Ouais. On a 2 manœuvres, on en gèle un, on n'a pas de problème. On va geler le jaune. Ouais, c'est ça. Geler le jaune. Le petit noir en haut peut aussi attaquer. Ah, ouais. Ouais. On peut geler le jaune, la caserne du jaune. Tenez un déplacement. Je vais chercher le 9. Moi, je le mettrais sur le 2 à côté, puis on commencerait à défoncer par contre. 2, 3. Non, faut que tu mettes tout au complet. Sinon, il est coincé. Donc, t'en laisses un derrière. Ok. Terminé. Tout ça fait un 9. C'est correct. Ok. On a fait l'avantage. Je vais chercher le 4. C'est pas plus gros. Ouais, le 4. Le 4 complètement. Et sur le 2 là, ouais. Ouais. C'est ça. Tout au maximum. Nice. Et puis on va geler le trou, la caserne jaune, ouais, je pense. C'est ça. Il y a le 2 ou il y a ouais. Le 3 là? Tu vois le 3 là ou le 2 là? En termes d'armée, le 2, il y a un 10 à côté. Non, c'est plus intelligent la caserne parce que ça fait une armée de plus. Il y a 3 là et 2 là, puis autant de territoire à passer pour se rendre jusqu'à. Ça, c'est une caserne, ça? Ouais. Sinon, j'ai une 2, c'est pas un mur. On va pouvoir tout migrer vers le. Ah, ok. Avec là, ce qu'on est rendu à avoir, on s'est fait 2 continents de plus. Ça va là. Pomper, ça. Ah, puis on peut même prendre le terrain d'aviation pour se laisser défendre. Hmm. Ah, rendu là, écoute. Tu mets où? Sur le 5? Sur le 5, je pense que c'est bon. Ouais, ça couvre. Ça aurait été, en fait, non, ça aurait dû être le 3. Mais si c'est mais plus qu'on n'a pas besoin de... Ok, sur le 3 en bas. Ouais, c'est plus lui qui a besoin. Non, pas le 3 en bas, le 3 en... la petite île en haut. Ah, ok. C'est lui qui est notre défense la plus faible présentement pour se rendre en devant. C'est lui qui va voir ce que le jaune va faire. Hein. Oui, peut-être qu'il va rien faire de notre bord parce que... Il y a le chien. Eh oui. Non, il y a des gens. Des défenses. Oui! Oh, wow! Yes! On va pouvoir partir du 10 pour faire toc-toc. Le temps. On n'a pas perdu. Qu'est-ce qu'il y a le 2 par exemple pour faire dans ce moment? Qu'est-ce qu'on va? On va peut-être le capturer.
coup, j'ai noir, j'ai encore avant. Le noir peut essayer de passer par le jaune pour nous ramasser. Détruis pas ton bâton là. Non. Il se détruit tout seul. Mmh. Et calvaire. C'était pas très beau ça. Ah, oh, wow! Fait que lui, il a le temps. Non! Il y a encore des chats. Merci, reste là. Ah, qui s'en va se barrer là, c'est correct. Laisse un mouton. Je veux le capturer, le mouton. Merde. Ça va être génial. Ils sont pas complètement cons. Bon, ok. Non, mais c'est correct. Moi, tant qu'on perd pas le temps, je me fous du reste. Là, on a un beau petit 6 mois sur une caserne. Viens, justement, te le sélectionner. Merci. Il est donc bien fait. On avait justement rien dans ce coin-là. Ouais. Ça se peut que j'en mette un peu plus. Il n'y a pas d'urgence. Moi j'éloignais les gens du temple de Vaughn, honnêtement. Là. Ouais. Juste comme À partir du 10. Ouais, c'est ça. À partir du 10. 10, mais faut que tu remontes jusqu'au 2. On n'a rien là-dedans, en fait. Il n'est pas qu'on peut geler après quelque chose. Ouais. Ouais. Ah, c'est vrai, le 2, faut oublier le 2, t'as raison. Non, je sais pas, ça, c'est ridicule. Ça nous fait 26 quand même. Juste comment? Ça sert vraiment à rien. C'est juste qu'on a besoin de nos armées. Si c'est une effet de défense dans un endroit où on n'a aucun intérêt. Là. Le juste pour avoir le dernier mot. Bon, ok. C'est beau, 25. Fait que fais une attaque sur la capitale, Iris. Non. Moi, je pas. Je plutôt le bas jusqu'en haut. Mais c'est parce qu'il faut qu'il passe par en bas. Ouais, si tu passes par le gros territoire qui bloque en plein milieu. Sérieux. N'importe quoi. N'importe quoi. Ça se peut même pas. Apparemment, ça se peut. Je ne crois pas. Là, tu vois, parce qu'il faut que tu passes par le 4 pour être capable d'aller chercher son bloc. C'est pour ça que j'ai voulu qu'il fasse une shot avant. Je ne crois pas. C'est 15 au 2, hein. Bon, c'est ordinaire, ça. Ah, ouais, ouais. Donc on peut éliminer le bleu et le jaune. De... Moi, c'est ce que j'espérais en fait, c'est qu'on soit capable de le nettoyer, mais là, on a perdu beaucoup plus que je pensais. Ouais, ça a été... Les 6, peu importe, que ouais. Les attaques pas, c'est les 6. 4, c'est terminé. Est-ce que tu peux te taper tout le monde? Oh! Chien sale! Il est d'une ça chance ridicule. Ok, bon. Ça m'a plus besoin. Juste ça, puis on a deux entrées. Ouais, on trois. Okay. Le petit 2 là, tu le mets sur le 3. Ouais. C'est le seul autre mouton qu'on peut déplacer. On n'a pas beaucoup d'armées. Non, vraiment pas. Là, tu vois ton armée que t'as mis là-bas. Hein? Un. Ça aurait fait tout. Ah, différence. Ouais, mais on aurait pu juste en mettre. On paralyse les gens, c'est vrai. Ouais, oui, le jaune, c'est une bonne idée. On va même pas faire dans ce coin. C'est ça. Vote. Amuse-toi. On va jouer ailleurs. Il peut pas rajouter d'armée non plus là-dessus. Il peut même pas nous ranger du tout. Il est pogné dans ces deux terrains là-bas. Ouais! Oh! Pour une fois. Ouais, on l'a pas calé cette fois-là. C'est vrai qu'on a des médailles à chaque fois. Son excellence gagne. Son excellence gargarise. Ben. Ouais, ça va y avoir tout. En tout cas, je pense que là, le temps de bonne. Comment c'est plus difficile ça, en musique au temps de fin. On est les verts pour les gens qui viennent de soigner. Tu sais, quand tu commences une vidéo YouTube au milieu. Ouais, c'est pas de la ça porn, hein. Ça m'arrive. Ah ouais, c'est pour mon autre. Pauvre petit jaune. J'ai beaucoup de peine pour le jaune, je tiens à dire. On nous a quasiment pas fait chier. Ouais. Je pense que le jaune. C'est le fun parce que ça va être à nous de l'éliminer. C'est vrai. Ah ouais, achève-le. Achève-le dans le. Excellent. Oh. On peut le capturer. On peut le convertir si on veut. Il y a un 7. Ah, c'est à nous. Oui, c'est à nous. On peut soit prendre le 5 ou prendre le 2 jaune pour rire. Ouais, mais il y a un 4 aussi. Il y a un 4 gris. Oh. Il va juste le dilapider. On va prendre un capital à côté et puis l'autre capital peut-être. Ben non, prends pas de capital, voyons donc, c'est juste comme des armées faciles partout. Ok,
tu vas recevoir un méchant bâton dans lui. On a 27 territoires. Ah oui, bon. C'est vrai, faut faire ça. J'ai 28 territoires. Ok, il prend pas de carte. On s'en va tout échanger pour rien faire. Prends le 4. Lui ici? Le 4 rouge en bas. Il est à côté de ton 7. Ah ouais, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Imagine qu'on capture le territoire complet. Ah, juste à coup de 1, c'est ça. Il est resté chez vous. Jusqu'à la fin du jeu. Ça dépend. Ça dépend ce qu'on décide de faire. Avec ce tour-là, tu peux prendre le continent. Ouais, à Mali. Avec ses armées à lui, ouais. Ça serait vraiment drôle. Non, le 7, c'est un 7 noir à la base. Ah ouais? Es-tu sûr de ça? Peux-tu aller voir ta vie? J'ai le B. Oui, excusez. Mon dieu. Non. Il reste encore pas un autre tour après ça. Quand ce continent-là en bas, quand c'est un bon. Oui, point. En bas, oui, on va cleaner ça, c'est sûr. Mais en peut-être 2-3 années. Ça aussi. On veut sortir le jaune. Non, en même temps, on veut garder le jaune en vie. Sinon, c'est eux autres qui vont le dire. Vraiment? Ou sinon, en tout cas, ah, on prend le continent, c'est un continent qui vaut cher. Ça. Quand ce continent-là, puis ça, là, tu peux faire les deux. Pourquoi 4 là? Ok, pour aller. Non, il y a un 4 qui est déjà là. Je me demande avec quel moton je fais ça. Je fais-tu celui-là ou. Le 4, c'est bon. Tu le 4? T'en mets 10 là, puis 10 à la place. 10 là-bas? Sur le 7. Non, peut-être pas 10 là. Je pense qu'on a besoin d'avoir tant d'armées que ça pour prendre le contrôle dans ce coin-ci. Peut-être 5. C'est ça. Okay. Tu commences avec ton 4. Non. 4-1 pour commencer. C'est chaud. Okay. En bas ici. 4-1. 4 contre 1. Là? Mmh. Moi je pensais juste partir avec lui en fait, ouais, c'est ça. Avec une manœuvre, on va essayer de défendre ça après. C'est très drôle. Ouais, parce que t'as le 1 cri à côté. C'est pas plus bien long, c'est bien long. Non, un nouveau continent. Bon, voilà. Mais on s'arrête pas. Bonjour! Toi, on t'aime pas depuis longtemps. Ouais, face de choc, il est triste. Arrête. Ah. Hey, Yeti, là. Suffit, le Yeti. Suffit. Ah! On a 4 cribs, ça fait une mission. Je ne sais pas c'est laquelle. Ouais, cool. Bon. Fin de cette attaque. Ah! Ça, c'est le fun. Ouais, on est plus là. J'avance tout de suite. Ouais, je peux bien l'avancer. Ça change rien, qu'elle soit là ou à côté. Ça change absolument rien. Est-ce que je continue? Non. On dépasse. On a un 8 qui traîne en dessous. Et un 8 qui traîne en bas. On a deux motons de 8 à dépasser. Que toi, tu t'en vas ici. Essayez de traverser. Oui, c'est ça. Puis le 8 en bas. Ouais, tu reviens là. Ouais. Ça va. Ok. Maintenant, on... Le 3 en bas. Ouais. C'est ce qui nous menace le plus. Est-ce qu'il perd le contrôle de son passe? Non. Non, ok. Allez. Ah, c'est pas pour rien qu'il jamais tout fait le capital, ça peut faire aussi. C'est pas lui, c'est qu'il est le plus. Bon. Gros de choix. Trop de choix. J'irai avec la carte. La carte? Parce que on va les échanger, sinon on va juste les perdre comme on a déjà à plusieurs. Si on compte effectivement 5 étoiles, notre prochain vaut plus que 2, puis c'est pas au prochain tour que ça se finit. Fait que c'est... En termes de nombre, c'est plus rentable de prendre la carte. Deux! Ah, bon. Yes. C'est comme 7 armées de plus. Là. Ouais. Comme gagner en vie quand t'es à 98 ans, c'est ça. C'est pas le moton, on s'entend. Oui, c'est ça. Hein? Et voilà. Tu vois, on l'a forcé à aller vers le haut au lieu de vers le bas. Ah, c'est bien comme s'il défend le jaune. Tuer le jaune nous-mêmes. C'est ce que le fun. C'est une vendetta personnelle. Dans ce cas-là, il faudrait passer à toi. Par où tu veux. Choisis ton trou. On passe par où tu veux. Pauvre enfant. Non, on fait pas ça. Mais voyons donc, attaque pas le plus fort à côté de toi. Hey, les deux. Il m'émerde deux. Le voilà à deux. Moi, j'aurais pris le petit 1 à côté. Tu sais. Oui. J'aurais fait sa frontière de continent, puis il aurait pas eu plus d'armée à la fin de son tour. Ça me met.
Oh! Faut-tu le jambes, toi? Ah, voyons! C'est quoi, monsieur? Il vient d'avoir ses cartes, c'est quoi? Ah oui, clairement. Il fallait faire deux cartes de plus. Ah, c'est pas fin, faut ça. Tu le rouges ce coup-ci. Ben oui, on prend toutes ses cartes. Non, en fait, on finit ce coup-là. On change les cartes. Dis-le. Il y a 5 cartes, le rouge, c'est dommage, j'aurais aimé essayer de changer ses cartes. 3 plus 2, oh, tu comptes. 9 contre. Bravo. Ah, c'est là, faut capturer quoi en plus? Capturer quoi? S'il se plante contre le 4, on capture le rouge puis on a ses cartes au début de la play. Je comprends pas ce que tu dis. Il veut le convertir. De bonne, tu convertis le rouge puis on a ses cartes. Avant d'échanger nos cartes. On peut pas convertir le. Ah non, c'est vrai, le dernier. Ah, peut-être. Mais convertir, peut-être, on peut pas geler, on peut peut-être ouais, convertir par contre. Je pense que oui, en fait. C'est fair. C'est fair. Et oui! Oui. Ça, c'est un bon move. C'est un merci excellent move. Il nous dit d'avoir wipé le reste. Mm-hmm. Tu disais que tu voulais ses 4, justement. Non, on va pouvoir échanger pour 10. On va passer de 7 à 12. Donc, on va pouvoir échanger 10. Et on a 13 étoiles. On avait des deux. Passez. Passez. Fait que ça nous fait 58 armées à placer. Sur le 11. Sur le 11, ouais. Ouais, tu peux faire plein de choses. Hein. Parce le 9 peut descendre. Ton 3 bloque, par exemple. Non, c'est ça, je veux pas tout me bloquer. Mon 3, t'as tellement raison, mon 3 me bloque. Mais non, on peut faire plusieurs fronts dans plusieurs directions. On a 58 armées à placer. 9 descend 1, descend 1. Tu vas avoir deux terrains de 1. T'as juste deux terrains de haut. Si tu mets des armées là, t'as deux terrains en haut de 1. Mais ton 11, il fait. Non, ça fait réfléchir. Lui, alors qu'on lui, peut juste descendre lui. Puis lui, il fait juste faire ça de même, puis il revient. Puis non. Ah ouais. Mais j'en mettrais pas 24 là. Pourquoi? Parce que je peux pas mettre 20 partout, c'est ça que vous me dites? Dans un instant. C'est quoi le problème là? T'aurais pu faire juste deux motons. C'est-tu vraiment les deux méga motons, t'aurais réussi. Je trouve ça drôle okay. Comme ça. J'ai voilà. Un peu peur. Je joue bien. Je joue bien, oui, c'est ça. Ça serait drôle que je me plante. Hein. Bloque-toi pas, c'est ça. Je t'en dis là, c'est ça. Ah ouais, c'est cool. On va être utile maintenant. Ouf, là, on va être capable. Là, je pense qu'on est peut-être correct. En temps réel, c'est tout en même temps. Ah, ok. Hey! C'est vrai qu'il y avait le double de défense. Ça explique pourquoi avec 2 nous en a tué 10. On se défend avec 60 dés. Bonne chance, hein. Les armées du roi. Non! Au pire, j'ai une 24. C'est pour ça que j'ai eu partout. Si je me trompe, j'en ai partout. C'est mais pas grave. Il y avait le plus petit nombre, fait que, ben, il a pas fait. Parce que le 24, tu peux le faire là-bas. Oui. Puis j'ai le 19 à côté aussi. Le 17, ça a juste à venir. Ah, il va traverser. Il peut aussi traverser, c'est ça. Mais il bloque en 20. J'ai fait avancer ça. Au moins le 1. Avancer de 1. De 1, mais pas de 2. Mm-hmm. On a 3 médailles en attente. Ouais, c'est ça. Hey, le noir est épouvantable. Mais on a ses 4. Il a une chance terrible. Merci. Non, t'as pas de 4. Son excellence, Gare. Gary! Bon, voilà! Je pense qu'on a toutes les médailles. Oui, je pense qu'on a effectivement toutes les médailles qui traînent là. Tiens, toi. Ah! On va le dernier maintenant. Toi. Là-dessus. Si on veut tirer la souffrance. Voilà. C'est un dernier tour assez monstrueux. Voilà. Alors, la leçon, il vaut mieux être patient et économiser. Démolir la gueule d'un ordi par la suite. Boum 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 boum. Non. Oh là là, c'est même pas impressionnant. Moi, c'est ça. C'est me reprocher de perdre mon père. Et 9 étoiles pour finir. Ça veut dire que le tour d'après, on aurait pu comme avoir 30 armées puis en rajouter 30 de plus. Donc c'était la map Les Limbes. Et on l'a gagné. Quand même pas pire.